tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour cette guidance astrologique annuelle dans le domaine sentimental et émotionnel pour cette année 2023. C'est une guidance que je vous offre en cadeau pour la Saint-Valentin. Donc on continue, les 6 premiers signes sont déjà postés. Aujourd'hui le signe à l'honneur est la Vierge, coucou la Vierge. Coucou les Vierges, coucou la Vierge, voilà je vous mets là, ascendant Vierge, lune en Vierge, Vénus en Vierge, n'hésitez pas à aller voir votre guidance annuelle de 2023 pour le tirage général, et puis allez voir votre guidance du mois de mars qui est postée les Vierges, allez voir vos ascendants, vos signes lunaires, vos signes vénusiens. Je vous rappelle que cette guidance est une guidance générale, mais prenez qu'est-ce qui résonne avec vous, qu'est-ce qui vibre avec vous, puis adaptez à vos situations. Si cette guidance ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre ascendant. À un certain âge, l'ascendant résonne beaucoup plus. Et puis, avec la vidéo du signe lunaire et du signe vénusien, ça complète ce tirage. Donc, allons voir ce que vous réserve cette année sentimentale, émotionnelle pour 2023, mes amis vierges. Et puis, oui, j'allais oublier, visiter mon site internet www.nilacoachdevie.com. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle approfondie, hein, bien sûr. Vous avez accès à mon agenda sur mon site internet, réservez la date, l'heure qui vous convienne. Alors bien sûr pour une guidance personnelle, mais pour aussi un soin énergétique, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. On est dans une période où on purifie, on nettoie son karma, on coupe avec certains liens difficiles, on purifie aussi certains schémas qui se répètent, certains comportements, certaines addictions qui se répètent. Voyez comme ça quels sont les schémas répétitifs dans votre vie et que vous souhaiteriez enfin arrêter. Ça peut être lié à des blessures d'injustice, de trahison, de rejet, d'abandon. Ça peut être lié au domaine professionnel, sentimental et même familial. En tout cas, je serais ravie de vous accompagner, mes amis vierges, et let's go pour la triade. Allez, merci pour votre patience, les vierges. On va aller voir ce que ça donne. Allez. Nous avons le temps. Le temps et ses accomplissements. Le temps qui parle aussi de la fin d'un cycle, qui parle de fin d'addiction, de tentation. Il y a quelque chose qui émerge chez vous les vierges cette année et qui est beaucoup plus sage, beaucoup plus lumineux. On est dans le pardon, on est dans un nouveau départ sentimental et émotionnel. Avec le temps, il est aussi question de respecter son rythme. Bien sûr, respectez votre rythme. Ayez de la compassion et de la bienveillance pour vous, pour tout ce que vous êtes en train de travailler, tout ce que vous êtes en train d'accomplir et qui mérite du temps. Alors ça peut être un travail de développement personnel sur vos peurs, vos angoisses, vos colères, vos difficultés, vos blocages, hein. Que ce soit un travail avec les médecins ou un travail énergétique, on voit bien que tout a son timing, tout a sa raison d'être. Et chaque chose en son temps. D'accord ? Pour d'autres, on voit bien un projet qui vous tient à cœur et qui nécessite du temps, qui nécessite de l'intention, qui nécessite d'être productif, mais qui nécessite du temps. Vous allez peut-être trouver le temps long, bien évidemment, mais on vous dit tout à sa raison d'être, mes amis. Ayez confiance en vous, en la vie. Ayez confiance en cette nouvelle année qui apportera son lot de, bien sûr, de révélations, mais aussi de solutions. D'accord ? Pour d'autres, on voit bien qu'il y a une durée limite. Ça y est. Il y a quelque chose, vous avez atteint vos limites, j'entends. J'ai mis trop de temps à m'en rendre compte. J'ai mis trop de temps peut-être à me réveiller, mais je sens que j'ai atteint mes limites. Voilà, c'est la fin d'un temps. D'un temps de guerre, d'un temps de dualité, d'un temps de combat contre vos propres addictions, mais aussi contre peut-être certaines personnes comme ça qui vous faisaient notamment perdre du temps. C'est magnifique, hein, tous ces jeux de mots liés au temps.
Pour d'autres, on voit bien la fin d'une tentation liée à un amant, à une maîtresse. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Vous allez stopper une triangulaire, ou peut-être qu'une triangulaire va être stoppée cette année. Il y a des décisions qui vont être importantes pour sortir justement avec sagesse et honnêteté de tentations comme ça, d'une relation pour laquelle vous ne saviez pas comment vous détacher. Pour d'autres, on voit bien que cette année, une relation, une situation va vous demander du temps pour que les erreurs du passé, les expériences difficiles vécues avec cette personne ou avec cette situation soient pardonnées, soit pardonné, soit excusé. Il y a quelque chose comme ça avec le fait de pardonner. On vous dit que la solution, la clé viendra du pardon. Pardonnez-vous, sortez de votre culpabilité. Et puis, pardonner aux autres sera libérateur pour vous. Alors, ça mettra peut-être pas fin aux querelles que vous pouvez avoir avec certaines personnes, mais en tout cas, ça sera libérateur pour vous. Peut-être que cette année, vous allez avoir aussi des excuses. Peut-être que quelqu'un va enfin reconnaître ses torts, sa part de responsabilité dans certaines disputes, dans certains conflits. En tout cas, on voit cette ouverture. Cette ouverture au pardon et à la sagesse qui sont très libérateurs. Très beau, très très beau. On continue avec l'oracle des fleurs. Et puis pour d'autres, revenez à l'instant présent. Bien sûr, le temps vous rappelle d'être dans l'ici et le maintenant. Arrêtez de nourrir ce qui est passé, ce qui ne vous sert plus, ce qui ne résonne plus avec vous et qui vous tente encore, qui vous tente encore. Regardez avec sagesse vos difficultés à quitter le passé, à quitter des comportements, une manière de communiquer ou d'agir qui est liée au passé. Forget me not. Vous voyez, c'est incroyable, hein. Magnifique, c'est totalement, il est beau votre tirage les vierges, totalement d'actualité. Vous avez du mal à oublier quelque chose, vous avez du mal à pardonner quelque chose. Pour d'autres, on voit bien que vous ne voulez pas oublier une situation, une relation. Vous avez du mal à vous détacher du passé. Vous nourrissez ce qui ne sera plus, ce qui n'existe plus. Vous avez énormément de nostalgie, de mélancolie pour des personnes ou des situations qui n'existent plus aujourd'hui et qui vous emprisonnent. Vous êtes constamment tenté à rester dans le passé alors que le futur vous appelle. Qu'est-ce qui vous empêche, mes amis vierges, de tourner la page, de clôturer un cycle et de vous accomplir autrement? Qu'est-ce qui vous empêche de vous réveiller, de vous révéler à vous-même, à vos besoins, vos envies, à vos sentiments? Qu'est-ce qui vous empêche de vous écouter, de vous respecter? Qu'est-ce qui vous empêche de clarifier les choses? Il y a quelque chose comme ça avec le fait d'accepter d'aller voir dans ses profondeurs les plus difficiles, hein. Qu'est-ce qui vous empêche de conscientiser ces douleurs, ces souffrances, ces blessures pour avancer? Très très beau, très très beau. En tout cas, il y a un nouveau jour pour vous, hein. Il y a un nouveau jour. C'est comme si ça se faisait en deux temps. Vous êtes en train de prendre conscience ou vous allez prendre conscience qu'il faut lâcher quelque chose, qu'il faut quitter quelque chose, qu'il faut arrêter de nourrir des situations, des relations de dualité, de drame. Oui, qu'il faut arrêter de... C'est comme si vous étiez dans un éveil spirituel et que vous refusiez votre transformation. J'ai cette image
de la chenille qui doit devenir papillon parce que c'est le rythme naturel de la vie et qui résiste à sortir de son cocon ou à tisser son cocon ou à réaliser qu'elle ne sera plus chenille mais qu'elle sera plutôt papillon. Voyez? On continue avec l'oracle des nombres de Maud Albertini. On va aller voir quelle est la carte pour vous cette année, les Vierges, ascendant Vierge, Lune en Vierge, Vénus en Vierge. Réussite. Réussite, mais cap à passer. Bah oui, l'un ne va pas sans l'autre. Il y a un cap à passer, 3 et 2, 5, et ce cap, il est lié à votre créativité, à vos inspirations. Quelle est votre passion? La peinture, la sculpture, l'écriture, la cuisine, la danse, le chant, le coaching, la thérapie, la médecine douce, la divination, peu importe. Quelle est cette activité qui vous passionne, qui vous fait vibrer et qui vous appelle? Vous êtes en dualité face à ça. Vous refusez le changement et vous êtes peut-être en crise ou vous allez peut-être être en crise ou en conflit avec vous-même cette année par rapport à ça. Et émotionnellement, ça va pas être de tout repos. C'est comme si on vous connaissait dans un certain travail, on vous reconnaissait dans un certain travail, une certaine expertise, dans un cadre familial, dans un cadre amical, et qu'avec ce changement que vous couvez, vous aviez peur de ne plus être aimé, de ne plus être accepté, de ne plus être reconnu, de ne plus ou d'être rejeté, abandonné. Avec la réussite, pour certains et certaines d'entre vous, on voit bien que vos projets vont aboutir. Mais vous allez devoir vous adapter. Vous allez avoir des aides cette année, et c'est protégé, pour aller vers tout ce qui est créatif, pour aller vers tous ces changements. D'accord? Pour d'autres, on voit bien qu'il va falloir faire preuve peut-être aussi de mobilité, dans le sens où peut-être que vous allez peut-être devoir déménager. Et ça ne doit pas vous effrayer. Vous allez peut-être devoir être muté. En tout cas, vous allez vers le succès, c'est protégé. Et c'est transformateur. Pour vous. On y va avec... Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. On y va avec, pardon, l'oracle. Écoute ton cœur. L'oracle de ton cœur. Quel est le message de votre cœur cette année? Les Vierges, ascendant Vierge, Lune en Vierge, Vénus en Vierge, patience. Patience. Et oui, ça rejoint la carte du temps. Il y a des choses qui vont vous demander de la patience. Pardon, vous avez du mal à pardonner, patience, chacun son rythme, tout a un timing. N'allez pas plus vite que votre corps, que votre cœur, d'accord? Pour d'autres, oui, il y a ce projet qui vous tient à cœur, qui est important et qui va vous demander beaucoup de tempérance. La patience est le chemin le plus sûr vers ton cœur, un chemin que tu empruntes comme un challenge quotidien et qui t'offre la satisfaction d'être en parfaite harmonie avec toi-même. Et puis pour d'autres, oui, tout le travail que vous êtes en train de faire sur vous va vous demander énormément de patience. Vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique. Vous avez un rythme, votre cœur a un rythme, vos énergies ont un rythme. Et étage, enfin, oui, step by step, c'est ce que j'entends. Marche par marche, on avance. Pensez à rester dans la gratitude, les Vierges, d'accord? Nourrissez ce qui est positif dans votre vie et remerciez pour tout ce qui est positif dans votre vie, qui est de l'ordre de la paix, de l'amour, de la joie. On y va avec l'oracle, le tarot de l'illumination de Matthew Hughes pour le tirage sur 4 trimestres. Pour les Vierges, ascendant Vierge, Lune en Vierge, Vénus en Vierge pour cette année, dans le domaine sentimental, émotionnel. Première carte, 3 de coupe.
5 d'épée, il est là, ce cap à passer, il est mental. Le pendu et le 6 de pentacle. Bon, tout revient dans la justesse en fin d'année. Cet hiver, on voit bien que les choses sont rétablies. Vous ne donnerez plus... vous ne vous épuiserez plus, j'entends. Alors, en début d'année, ce premier trimestre, vous allez être concentré sur vos rapports amicaux. Vous allez être concentré sur le fait de nourrir des liens d'amitié, des liens de famille, des liens professionnels qui sont dans l'abondance de joie, de paix, d'amour. Vous êtes en train de nourrir, vous allez nourrir des liens légers. Vous avez envie de profiter de la vie. En début d'année, vous avez envie d'être dans des énergies de joie, de fête, de partage, et non d'agressivité, de dualité ou de combat, comme ça. D'accord ? Et puis pour d'autres, on voit bien peut-être cette association avec d'autres femmes qui va être importante pour vous cette année. Là, peut-être une question de sororité, de monter des projets féminins. Voyez ce qui résonne avec vous. Pour d'autres, on voit bien que vous fêtez quelque chose ou vous avez fêté quelque chose en début d'année. C'est joyeux, c'est authentique, c'est sincère et ça vous fait du bien. C'est des partages... des partages vrais. On profite d'être ensemble, on a du plaisir à être ensemble. En tout cas, il y a un groupe d'amis auquel vous tenez et qui vous rend heureux, qui vous rend heureuse. Au niveau sentimental. Et au deuxième trimestre, avec ce 5 d'épée, on voit bien ce cap à passer. Il y a un cap à passer mental. Vous allez rentrer en désaccord, en conflit avec des membres de votre famille ou du travail ou votre mari, votre conjoint, vos enfants, peu importe, adapté à vos situations. Mais on voit bien que... Il va y avoir pas mal de disputes, que ce soit vous avec vous-même et vos nouveaux points de vue, votre nouvelle manière de voir la vie, ou que ce soit avec les autres. Il y a des disputes qui vont faire en sorte que vous allez remettre en question certaines choses. Votre manière d'aimer, votre manière de penser, de communiquer, d'agir. Mais ce cap à passer, il indique un changement important. Et il arrive cet été. Avec le pendu, qui est une arcane majeure très importante, on voit bien que vous allez devoir sacrifier quelque chose, abandonner quelque chose qui ne résonne plus avec vous. Je vous vois lâcher prise et sortir d'une certaine impuissance face à une situation et une relation. C'est comme si vous renonciez, c'est comme si vous compreniez quelque chose à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui se réveille sur la nécessité d'arrêter de se sacrifier aussi pour les autres. Vous donnez beaucoup trop aux autres, sans penser à vous-même. Et là, bien sûr, la même phrase un peu pour tous les signes, c'est « Donnez-vous en vain ce que vous recherchez auprès de l'autre. » Avec le pendu, on lâche prise, ça suffit. Parce qu'on voit les choses autrement. Terminer le sacrifice inutile. On n'est plus victime et on reprend les rênes de sa vie. Pour d'autres, on voit bien qu'il y a des problématiques liées à votre santé, peut-être. Peut-être que vous êtes limité physiquement dans votre travail ou dans vos responsabilités familiales et vous allez demander de l'aide, vous allez demander du soutien et il arrive. On voit bien une nouvelle réorganisation énergétique en fin d'année qui va vous permettre comme ça de retrouver un peu une harmonie, retrouver de la vitalité. Pour d'autres, il y a des questions liées à la famille. Oui, vous êtes suspendu à votre arbre généalogique. Qu'est-ce qui vous empêche de réaliser vos rêves et vos souhaits? Peut-être que vous avez cette envie de fonder une famille, d'avoir des enfants, d'être mère et ça ne vient pas. Ça demande de la patience, ça demande du temps, ça demande beaucoup d'amour.
Pour d'autres, il y a des questions liées à votre famille qui sont mises de nouveau sur la table. Des liens avec des frères et sœurs qu'il faut rééquilibrer, qu'il faut essayer de comprendre. Des liens avec des amis, des petits-enfants, des enfants. Il y a quelque chose qui rentre dans l'ordre en fin d'année avec le 6 de Pentacle. On donne avec justesse et on reçoit avec justesse. Terminer de donner plus d'énergie qu'il ne faut à certains projets, à certaines personnes. On se choisit, on pose des limites, on se respecte et on tranche, on prend des décisions. Avec un père difficile, avec une mère difficile, mais en tout cas, on a confiance en soi. On sait ce qui est bon et juste pour soi-même. Et puis pour d'autres, hein, il y a encore cette question de déménagement qui revient. Peut-être que votre propriétaire va vendre l'appartement dans lequel vous habitez et vous allez devoir rapidement trouver un nouveau lieu de vie. Et ça chamboule complètement vos projets pour cette année. Comme il y a comme un inattendu comme ça à gérer rapidement. Bon, on continue avec l'oracle de l'amour. Oui, si, l'oracle de l'amour. On va aller voir un peu ce qui se passe. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique, mariage, cette situation comporte un mariage et apprenez à vous connaître mutuellement. Bon, ça revient encore cette triangulaire, hein. Vous êtes marié et vous êtes terriblement attiré par quelqu'un d'autre. Et il va falloir vous positionner, bien sûr. Il est temps de savoir ce que vous voulez créer cette année, ce que vous voulez vivre. On vous dit qu'il est temps aussi de vous confier en toute honnêteté sur vos besoins, vos envies, vos rêves pour avancer dans cette relation qui vous tient à cœur, qui compte pour vous. Pour d'autres, on voit bien que vous avez envie de vous engager. Vous avez envie de vous engager, vous marier, de vous installer. Tout est parfait, mais il y a des peurs. Il y a des peurs. Vous avez peur de vous livrer, vous avez peur de vous découvrir, vous avez peur de partager vos émotions, vos sentiments, et pourtant, il est temps. C'est comme ça que vous allez renforcer vos liens. Donc exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Pour d'autres, vous allez peut-être avoir une demande en mariage cette année, oui. Oui, vous ne vous y attendiez peut-être pas, mais peut-être que cette année, vous allez avoir une demande en mariage. Ou peut-être que vous allez vous marier, vous avez déjà eu cette demande en mariage. Et on vous dit, hein, continuez d'ouvrir votre cœur. Aimez sans crainte. Pour d'autres, on voit bien que vous êtes attiré par quelqu'un, mais que vous avez peur d'aller vers lui ou vers elle. Et pourtant, c'est magnétique entre vous. Vous ressentez une forte attraction l'un pour l'autre, et il y a toujours cette distance entre vous. Soyez dans le moment présent. Faites confiance en la vie. Ayez la foi que ça peut fonctionner, que ça peut marcher. Au-delà des facteurs religieux, au-delà des facteurs sociaux. Ouvrez un peu plus votre cœur. Partagez vos émotions. En tout cas, on vous demande cette année un positionnement sur ce que vous avez envie de vivre clairement dans le domaine sentimental et amoureux. D'accord ? Et puis pour d'autres, il y a des problématiques liées à un mariage, celui de vos parents, celui de vos grands-parents, celui de vos frères, de vos sœurs. Et c'est difficile de communiquer. Il y a des disputes, il y a des conflits, et vous êtes peut-être trop méfiants les uns des autres. Et peut-être qu'il serait temps d'ouvrir votre cœur pour qu'il y ait d'autres échanges plus authentiques, plus sincères sur ce qui vous fait peur, en fait. On continue
Avec le tarot des anges gardiens, décidément, il y a le chakra de la gorge chez vous, là, les vierges, qui sera à travailler cette année. La communication, l'expression de sa vérité, qui vous aide vraiment, de vous afficher dans vos différences, dans votre authenticité, ça va être très important cette année. 7 de la prospérité, vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. 3 de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Bon, ben, je voyais un déménagement, mais effectivement, il est possible qu'un voyage vous appelle. Et on vous dit passer à l'action. Peut-être qu'un projet vous attend à l'étranger et vous hésitez encore alors que enfin, tout est aligné là. D'accord? Peut-être que votre partenaire vit à l'étranger ou peut-être que c'est vous qui vivez à l'étranger et vous pensez que c'est un amour impossible. Et pourtant, il y a cette demande en mariage, il y a ces fiançailles qui pointent leur nez. On y va avec le message des plantes du monde. Et la guidance pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, Vénus en vierge. En tout cas, faites-vous confiance avec beaucoup de patience. Cherchez une solution, même si vous semblez perdu, avez-vous été attentif à tous les signes avec la tomate? Oui, cherchez une solution. Avez-vous vraiment été attentif aux synchronicités? Avez-vous demandé l'aide qu'il fallait, le soutien qu'il fallait dans ce que vous rencontrez comme problématique? En tout cas, vous êtes guidé et vous êtes protégé dans ces changements. Donc suivez les signes. Vous êtes empreint d'une grande sagesse avec l'olivier. Oui, vous savez quelle décision il faut prendre. Avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'honnêteté, vous savez quel chemin prendre. C'est comme si vous aviez peur de le prendre, ce chemin. On y va avec l'oracle message d'amour de Jésus, de Dorine Vertue, pour tous les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, Vénus en vierge. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est magnifique, hein? Alors, il y a un truc avec les enfants. Peut-être que vous avez cette espèce de loyauté, d'amour indéfectible pour vos enfants et que c'est votre priorité. Ou peut-être que justement, ce projet que vous portez comme un enfant est très important pour votre cœur et pour votre âme. Et donc on vous dit, restez ce bon verger, sage, patient, doux, qui fait ce qu'il faut en fait, pour que ces projets se réalisent, pour que ces enfants se portent bien. Il y a quelque chose comme ça. Puis pour d'autres, on voit bien qu'il faut rétablir... Oui, qu'il faut équilibrer vos relations. Vous ne pouvez pas non plus tout sacrifier pour votre entourage. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Vous avez besoin de retrouver de l'énergie. Vous avez besoin d'aimer, d'être aimé. Vous avez besoin d'être rassuré, d'être écouté, de vous sentir protégé, aimé, aidé, soutenu. Là, il est question de rester dans le courage et la foi. Tout ça vous enseigne quelque chose, mes amis vierges. N'en doutez pas, n'en doutez jamais. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir visionné. Partagez les amis, likez, commentez. Tout ça, ça contribue à élever cette chaîne et à nous rendre de plus en plus nombreux et visibles sur YouTube. Merci mille fois. On a dépassé le cap des 24 000 en route vers les 25 000. Allez voir vos autres vidéos de guidance. Et puis, continuez de vous abonner, les amis, en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications. Vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo. Et puis les amis, suivons-nous sur TikTok, sur Facebook et sur Instagram. Eh bien mes amis vierges, oui, transformation, on change de peau.
On s'engage, on va vers la réussite, vers un nouveau niveau de relation, plus juste, plus authentique, plus équilibré, plus sage. C'est tout le mal que je vous souhaite. Prenez soin de vous, belle année. Bye bye.